Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Legend of Zelda The Wind Waker HD. J'espère que vous allez bien dans cet épisode. Nous allons ne pas se prendre ça dans la gueule. Tirer une flèche de feu. Yes. Ça n'a servi à rien. Faut viser dans la gueule du monsieur. Voilà. Ta-da-da-da-da-da-da. Et j'ai pris 5 minutes, voilà. Pour y aller. Hop. Il y a un coffre. Non, fais pas ça! Putain. Hype-moi encore. Hop, on glisse. Je déteste ça. Je déteste les glissades. Une carte au trésor, ok. Oh, c'est que je peux monter là, non. Ok. Évidemment. Enfin, je trouve un endroit pour monter. C'est ici. Hop. Très bien. Pareil, je suppose qu'il faut passer là. C'est la glissade. Youfou. Hop. C'est la patinette. Ya papa. Oh non. Non, putain, il me faut le ça là. Quelle apotie. Hop. Bon. On va essayer de s'en sortir. Bien que ça risque d'être compliqué. Ah, dégage de là. Non, mais pourquoi t'as pas sauté? Link, tu déconnes. Tu déconnes sec. Putain. Franchement. Non, là, là. Ouf. Depuis Breath of the Wild, je peux plus ne plus pouvoir sauter, c'est... Oh, bon, ben voilà, alors. Mais pourquoi tu t'accroches pas? Oh là là, c'est le cancer. La pire. Non, mais saute, abruti. Putain, pourquoi tu... Non mais... Oh là là. Oh là 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 là. C'est super. C'est super l'après-midi, putain. Hop. Ya papa. Allez, tu peux le faire, Link. Ok. Tu peux le faire, j'ai dit. Allez, ouf. Ok, là, voilà, quand tu veux. Allez, on monte. Et on saute. Et B. C'est pas fini, hein. Alors, je suppose que... Je peux prendre deux chemins. Pas. Ya va papa. Ouais d'accord. Ok. Ah putain. Comme ça n'avait pas autre chose à faire que de gérer les chauves-souris. Alors. Je me balance vers où maintenant? Non mais sérieux?
comment moi. Je fais comment moi. Comment je remonte là, sérieux? What the fuck? Non mais. Je suis censé cramer ça, c'est ça? Non, je ne peux pas. Ah, j'ai plus de magie. Bon, bah, on va crever, hein. Ah, il y en a un autre là au fond. Ok, très bien. Ouais, bah, c'est fini, hein. C'est fini. On a tellement mis 1000 ans. On a tellement mis 1000 ans, quoi. Yes. On va devoir tous retaper. On est content. On n'a plus de magie. On est content. C'est bien la vie. C'est bien. Ok, donc on est de retour. Et a priori, cette fois c'est la bonne. Hein. Alors, s'il te plaît, le jeu. Merci. Tu t'arrêtes, s'il te plaît. Merci. Mettre ça là, tchac, on va mettre ça là. Hop, et on va faire ça. Ok. Tadadadadadadam. On va pouvoir kiffer notre vie, hein. Évidemment. Puisque nous allons devoir refaire ce petit parcours qui nous a pris tellement de joie et de bonne humeur. Par contre, ça arrache les yeux, ce blanc là. Je veux bien que le soleil il soit mignon, mais là. Là non, quoi. Hop. Qu'est-ce qu'il me fout? Ok, ok, ok. Les réflexes quand même. Heureusement qu'il en a. Alors. Non. Putain. Du premier coup. Et non. Ni que toi. C'est pas comme si j'avais quelque chose à foutre de ce rubis en plus. Est-ce que vous le savez, que vous sentez que je déteste les niveaux de neige où on glisse comme ça là? Ouais ouais, vous l'avez bien senti. Hein. C'est un peu comme les niveaux aquatiques dans Mario, vous voyez. Dans les Mario 2D, c'est pas ma tasse de thé. Autant dans les Donkey Kong, j'aime pas ça. Parce que j'ai jamais aimé. Mais ça passe. Dans les Mario, c'est vraiment de la merde. Mais les niveaux de glace comme ça dans Mario, c'est les pires aussi. Alors dans un Zelda. Alors par contre là, on est d'accord, je peux jamais passer. C'est pour le retour avec les bottes. Hein. On est d'accord sur ce point là. Donc s'il te plaît, tu me fais pas tomber, toi. Ils vont m'emmerder longtemps, les chauves-souris, là, ou... Ouais, ils vont m'emmerder longtemps, ouais. Ok. Ok, ça dégage. Maintenant... Vous pensez qu'il faut que je me laisse glisser, ou... Ça glisse tout seul? Non, il faut que je le dirige. Ok. Ouf. Nous avons... Allez, Link, tu peux le faire, merci. Les bottes anti-glissade, anti-vent, anti-tout. Tintintintin. Vous avez peut-être les bottes de plomb. Ces bottes sont lourdes. Mais Link est super fort parce qu'il a les bracelets de force. Et donc, il peut soulever ses propres petits pieds. Pin, 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 pin.
voyez. Là, il va marcher avec. Par contre, j'adore tellement le bruit que ça fait. Sting, ting, ting. Ok, on peut pas y aller comme ça. Ok. D'où mon ami le bateau là. Ah, c'était une carte au trésor. On va la prendre pour la beauté de la chose. Parce qu'on l'a déjà prise, mais comme lol. Lol lol lol, c'est éclaté contre le sol. J'aime beaucoup. Elle est trop bien cette animation. Et le petit cri qu'il fait. Incroyable. T'es où Link? Link, lion rouge. Je peux te siffler comme mon cheval ou... Non. Non. Tu es là, ok. Allez, viens là, toi. Hop. Maintenant que nous avons ça, je dois pouvoir me rendre à l'île du vent. Alors, on va faire... Non. Hop, on va faire le requiem de la tornade. Hop, de son petit nom. Ta-da-da. Et nous allons nous rendre à Mercantile. Et paf, c'est parfait. Hop, et nous allons nous rendre à l'île au vent, qui est a priori celle-là. Et qu'est-ce que... Qui pourrait être le machin du vent? Parce qu'on a déjà eu le piaf. Ça va être qui? Notre sœur? Non, je me rappelle plus. Je me rappelle plus de qui est le sage du vent. Le facteur? Non, c'est encore un piaf. Ça doit être un Korogu peut-être? Ah oui, c'est le Korogu avec son... Avec sa feuille, je crois. Vous savez, le Korogu qui faisait de la musique. Il me semble que c'est cela. Tan, 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 tan. Alors, a priori, hein, soit je donne un coup de marteau, soit je mets une bombe. On va essayer le marteau. Le marteau. Oh là là. Les arbres se sont redressés, quoi. Ah ah. Ouais, c'est ça, c'est le Korogu. Les symboles indiquent des directions. Ta da 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 da. Ta da da. Tada. Ah non, non, attendez. C'est le Korogu. 2000%. Tadadada, vous avez appris l'hymne du dieu du vent. Ah bah non, c'est pas le Korogu, on dirait nous. Tu es le nouveau héros? Je suis Fado du peuple Kokiri. J'en ai peut-être pas l'air, mais je suis un grand sage. Fado, donc, du peuple Kokiri. Donc, le peuple Kokiri d'Ocarina of Time. Est-ce qu'il y a un Fado dans Ocarina of Time? Je ne sais pas. J'ai beaucoup prié ici pour que cette épée ait le pouvoir de repousser le bal. Mais Ganondorf m'a attaqué et tu vois ce qui m'est arrivé. Tu aimerais rendre ses pouvoirs à l'épée des légendes, c'est bien ça? Oui. Alors, cherche quelqu'un qui possède le même instrument de musique que moi et apprends-lui le morceau que tu viens de jouer.
Cette personne devra savoir qu'elle est du même sang que le sage. Autrefois, nous autres, les sages, nous utilisions la baguette que tu possèdes pour jouer les morceaux qui nous permettaient d'invoquer les dieux. C'était toujours Sa Majesté le Roi qui utilisait la baguette pour nous diriger. Dis bien à Sa Majesté que nous continuons à jouer au paradis. Donc les Korogu sont les descendants des Kokiri. Mais pourtant, Link était un Kokiri dans Ocarina of Time. Non. Ta 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 ta. Mais non, c'est un Lilian. Ya. Ewa, direct dans la tronche. Ça dégage. Il en faut 3, hein. Bon. Alors. L'île Korogu, elle est où? C'est ta... 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 Hop. Île Géminée. Du dragon. Île aux forêts. Hop. Ta da da da. Ta-la-la-la-la-la. Et hop. Il joue de la musique là. C'est parfait ça, tiens. On a même pas besoin de le chercher dans les bois. Il est juste là. Ah bah non. Il n'est plus juste là. Pourquoi tu t'es barré? Bah si. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Ah, il faut peut-être que je le joue là. Vous avez joué l'hymne du dieu du vent. Jouer cette musique ici est inutile. Super. J'aime ma vie. Peut-être que je la joue là. Non. Ok, il y a un monsieur là-bas. C'est avec l'appareil photo, je crois. Mais merde. Faut que je rentre probablement. Je suis étonné que ça ait servi à rien, mais... Ça m'étonne... que je doive repartir, mais ça se trouve c'est juste pour m'indiquer que c'est sur le chemin, mais... qu'il est à l'intérieur, vous savez... dans un petit truc, je pense qu'il est à l'intérieur. Mais je suis pas certain. Il est où ce con? Hop. Je viens de te parler, toi. Est-ce que tout se passe bien, Link? Je me fais vieux, comme tu peux le constater, c'est l'avantage que je tire de mon grand âge et la connaissance. Tu sais, quelque chose, n'hésite pas à me questionner, je pourrais sans doute t'aider. As-tu des questions à me poser? Sur les Korogu, sur la forêt? Sur les Korogu.
Quel Korogu veux-tu que je te parle? Korogu de la forêt. Korogu sont restés dans la forêt. Eh bien, dis-toi de faire une pharmacie. Numa doit être quelque part dans l'île, dehors peut-être. Je pense qu'il est en train de travailler avec un morceau de musique avec son instrument. Tu vas l'entendre dans ta prochaine. As-tu d'autres questions? Nique toi. Nique toi. Il était dehors, bah oui, mais je sais bien, mais le truc c'est que ça m'a dit. Jouer de ça ici ne sert à rien. Donc merde. À la fin. Donc nous allons nous rebarrer. Avec plein de contentitude. Après, est-ce que j'ai joué le bon? Ça se trouve, j'ai pas joué le bon. J'ai pas joué le bon air en fait. Je réalise. Hymne du dieu du vent. Non, c'était le bon. Faut que je fasse quelque chose peut-être. Ah, faut peut-être que je crée une plateforme de glace, tiens. Est-ce que ça marche, ça? Non. Je suis étonné que ça marche pas. Oui, cette musique est inutile. La merde, alors. J'en ai marre de me sentir con, mais... Il y a un truc que je fais pas bien, ou... J'ai oublié un truc. Non mais merde. Qu'est-ce qu'il... Parce qu'il est clairement là, donc... Ce que je comprends pas, c'est que je l'ai joué ici... Ça ne sert à rien. Est-ce qu'il faut que je lui tire sur la tronche? Non. Donc, j'ai joué ici, j'ai joué en bas. Ça ne sert à rien. Non, bon. On va refaire une pause et je vais aller voir sur internet parce que là je me sens très con et je sais que c'est là qu'il faut que j'aille, donc à tout de suite. J'aime la vie. Voilà, parce que évidemment, c'est une évidence. J'ai envie de vous dire que nous pouvons traverser la fontaine à la cascade. Ah yes, j'aime encore plus ma vie. Comme cela, vous voyez, c'est vachement intuitif. Bon bah là on va le jouer hein. Non, ça commence bien. Comment ça, cette musique est inutile? Oh, Link, bonjour, je suis content de te voir. Tu m'as donc trouvé. Tu te demandes pourquoi je me cache ici? Je suis en train de travailler le morceau que je jouerai lors de la cérémonie de l'an prochain. Je ne veux pas que les autres l'entendent à l'avance. On peut donc m'entendre de l'extérieur. Ah, ah bon, je pensais que le bruit de la cassette couvrait la musique. C'est comme ça, je vais jouer un peu moins fort maintenant. Il n'y a personne que je travaille dans mon morceau ici, d'accord? Ah. Mais c'est une baguette que tu as là. Tu es donc chef d'orchestre, Link. C'est formidable. Et si tu me diriges, qu'en dis-tu? Que veux-tu que je joue? Dis-moi, j'ai tellement envie de jouer avec toi.
Ok. Mais quelle impression étrange, j'ai le sentiment d'avoir déjà connu cela. Alors ça, c'est la musique du coup de l'écran titre. Hein. Bah parfait. Il y a même les applaudissements. Link. Grâce à ce morceau divin, je suis devenu le sage du temple du vent. Ma mission consiste à rendre à l'épée de légende le pouvoir de repousser les forces maléfiques. Mais pour que nous puissions venger ces anciens, il va falloir que tu me conduises au temple du vent, Link. Tout à fait. Je suis venu pour ça, en fait. Il est où, ce con? Oh, il est sur la tête! LOL. LOUL. Alors, téléportation. Requiem de la tornade. Ça sonnait mieux dans ma tête. Louloulou. Palalala. Palalala. Hop. Très bien, très bien. C'est par où? C'est par où la carte? C'est pas par là. Oh, il y a un coffre légendaire là. J'ai l'impression qu'il y a un truc légendaire là. Mais ça doit être un trésor. C'est parce que je dois avoir une carte au trésor. Belle steak, j'ai 500 rubis. Ta 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 ta. Pa pa la la. Plouf, on passe dans l'eau. Là, il coule pas. Et Siméa coule pas. Faut appeler un bateau Méa du coup. Comme ça, on sait qu'il coulera pas. LOL, LOL, LOL. Ouais, bah ouais, on s'amuse, hein. On s'amuse comme on peut. Aha. Nous y sommes. Le foyer d'Alcantia. Pas du tout. Link, tout comme Medulli, du Moria doit posséder certains pouvoirs. À toi de découvrir lesquels. Unissez vos efforts dans ce nouveau temple et vous surmonterez les épreuves. Bling, bling, bling. Bling, 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 bling. Du Moria. C'était un bruit d'un... C'était le nom d'un Kourougou, ça. Par contre, dans Breath of the Wild, c'est vraiment les mêmes, quoi. Ça, c'est assez hallucinant. Hop, alors, non, toujours pas. Ta da 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 da. Et ben voilà. Paf, explosion. Clac, 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 le temple du vent. Comme nous sommes le héros du vent. Ce temple est à propos. Ya. Ya, tu m'as trouvé. Très bien. Eh bien, nous allons nous arrêter pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.